Salut! Hey, Schrunk, salut! Salut! Donc, Schrunk va nous présenter sa collection. Donc, c'est bien sympa, lui. T'aimes bien One Piece? C'est vrai, t'es sûr que t'aimes des bien One années. Piece? Ah, Ouais. j'apprécie un petit Je sais peu. pas, on dirait pas. On dirait pas. Donc, t'as tout en figurine, en fait. C'est vrai que ça va des petites, des grands, toutes sortes de séries. Je Ouais. sélectionne tout ce qui me plaît. Là, j'adore ces Ichiban Kuji qui sont magnifiques, elles sont Magnifique. immenses. Donc, j'espère que les amis, ça va vous plaire, parce que là-dessus, il y a du lourd. Et je trouve que c'est aussi une autre collection, mais celle-là, on vous la présentera plus tard. C'est une collection Pokémon de fou malade. Ce sera pas pour maintenant, mais vous verrez sa collection, c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, c'est One Piece. Et franchement, One Piece, c'est bon. On C'est bon, One adore. Piece. Ah, ouais, carrément. Moi, la pièce qui me plaît beaucoup dans ta collection, moi, c'est la résine que t'as eue. Le belle résine. Donc, c'est studio quoi déjà? C'est un modèle Palace. Ok. Et 93 exemplaires. Ouais, c'est le 85e, c'est bien. Ouais. Ça c'est le vrai One Piece, tu vois. Non, ça On l'a trouvé. Ouais, carrément. De toute façon, toi, tu les as tous lus, hein. Tous lus, ouais. Moi, je suis nul animé. Ouais. Ouais, t'as bien raison. Moi, il faut que je reprenne. Je suis au tome 63. Je me suis arrêté avant Wano. Ah oui, bien Très avant loin, Wano. oui, Bien il était avant. très loin, mais. Je suis allé très loin. Wano, T'es c'est tome 30 combien? tomes avant. 31 ans? Ah ouais, merde. Et aussi, on va vous montrer cette figurine en unboxing. C'est une figurine que tu as récupérée il n'y a pas longtemps. Exactement, une série Glitter Glamour. Je peux te dire que tu choisis bien. T'as de bon goût. Hein? Vous en pensez quoi? Sympa. Hein? Donc là, c'est deux versions. Alors, oui. Sa culotte est blanche. Je le dis. Il a déjà vérifié. J'ai déjà vérifié. Bon, bah allez. Donc ça sera l'unboxing, ce sera en fin de vidéo. Mais d'abord, on va vous présenter sa collection, hein, parce qu'il y a des belles choses à voir. Et re les amis, bon là on va découvrir la belle figurine de Vivi. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, de la collection de Schrock? C'est vraiment sympa, hein. Et franchement merci à lui, fallait le courage de porter le costume de Chopper. Non, c'est bien marré. Et vraiment c'est à refaire. On pensait pas du tout faire comme ça d'ailleurs, on pensait présenter sa collection et puis assez simplement, puis au final il avait les costumes et puis allez, on s'est dit allez, on va se déguiser et puis on va faire ça comme ça. Donc on s'est bien amusé à le faire, j'espère que vous avez apprécié. Nous en tout cas on s'est vraiment bien marré. Et ouais, donc là on voit quand même que la figurine de Vivi, elle a l'air magnifique. Elle est magnifique, regardez-moi ses formes.
Hop. Oui, je vous ai vu, je vous ai pas montré la petite culotte, hein, vite fait, hein, j'ai pas insisté, parce que sinon je sais, hein, parce que vous me connaissez, là ce coup-ci je me suis retenu. Hop, donc là on met sa petite tête. Franchement c'est une figurine qui est magnifique, elle est vraiment terrible hein, cette figurine là. Et elle est quand même bien grande, hein, je crois qu'elle fait dans les 24 cm au moins. Sincèrement, c'est ce qu'il y a de bien dans ces figurines là, les glitters glamour. Glitters et glamour, c'est que comment ? Elles sont pas chères. Et t'as une sacrée qualité de figurine. Franchement, c'est sauter dessus sur cette gamme là, elle est magnifique. Et d'ailleurs, c'est une gamme que je risque de vous présenter très prochainement sur la chaîne. Allez, prenez soin de vous et encore merci à toi, Shrox. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Je te remercie. À bientôt, salut!